Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le petit tournoi du vendredi. Donc on est parti. Évidemment, on part avec la composition Zabuza, bien sûr. Attendez, j'ai pas mis le son du jeu, c'est ça? J'ai pas deux fois le son. Nickel. On va peut-être tenter quelque chose dont on est autorisé à lancer nos outils. Crido. Il y a avantage de première attaque, donc autant essayer de faire quelque chose. On va tenter un full heal du côté du main haut. Mais combien de combativité? Ok, j'ai l'impression de taper dans un mur. Ah, c'est que ça bouge pas beaucoup. Donc voilà. Ouais. On attaque un peu la Tsunade. Est-ce qu'on va être en capacité de tanker tout ça? Ça paraît compliqué. Hein. Lorsque Chichi va lancer un outil, on va pas être bien du tout. Les Abusa donnent tout. Il ne s'arrêtera jamais. Va peut-être pas soigner assez. Oula. Oui, puis en plus, il y a une seconde couche. Et deux autos du Chichi en plus. Non, je pense qu'on n'y arrivera pas. On va pas y arriver. J'ai un peu peur de pas être dans les temps, donc on va faire ces choses comme ça. Allez, on va y retourner comme ça à l'accomplissement Madara. C'est reparti, à tout de suite. Et rebelote, on tombe contre le même adversaire. Peut-être tenter. Ouais, je sais pas qu'est-ce que j'essaye de tenter en fait. Mais... combien de combativité? Ok. Ouais. Contrôle les cheveux, j'ai l'impression qu'on arrive pas à appliquer nos effets de contrôle. C'est quand même pas simple cette histoire. On est autour d'eux. Bon. Il va cibler mon Madara, je pense. Est-ce que je suis en capacité de lancer un outil ou pas? Il y a certainement le cut. Non? D'accord. Peut-être que la réduction de CD a bien été appliquée. Dans quel cas, je pense que ça risque d'être tout de même assez compliqué. Infliger quasiment aucun dégât de son côté. Le Maine Foudre résiste bien à nos velléités offensives. Enfin, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Cette fois-ci, il peut lancer un outil, la cible d'une Madara, ouais, du coup. Du coup, on est quand même sacrément embêté dans cette histoire. Je pense que je vais remplir en réalité.
Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire le tournoi de tout le monde, donc on va repli. Hop. On est bien, on est bien, on est bien. Allez, on ressuscite un petit coup de Madara. On va rester qu'une seule équipe, je pense. Donc là, on est contre notre double, donc théoriquement, on devrait l'emporter. Le tout, c'est de le faire avec le moins d'accro possible, bien entendu. Allez, on va lancer tout de suite l'ulti Naruto pour essayer de déclencher un peu le combat. Plutôt une action de résistance. Histoire de rester en vie, comme ça on ne dépense pas de pilule de résurrection. L'adversaire va nous faire gagner deux attaques standards avec l'ulti Kakuzu et l'ulti de son main pro. Je pense qu'on est vraiment très 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 bien là. Ok, nickel, parfait. Il met de moto supplémentaire. Okay. Un peu de scaling. On te fera deux autos ce tour-ci. Et pour l'instant, on tente. Très bien. Mais attention, tout de même. Ok. Là, on va lancer un ulti Naruto sur Naruto. Une fois qu'il a dépensé l'esquive, on pourra utiliser l'ulti Obito. Et je pense qu'il sera plutôt pas mal. Est-ce qu'on a 7 dégâts? Oui, tout à fait. Et bah nickel. Du coup, on va pouvoir y retourner. En avant, c'est parti. A tout de suite. Alors. Très bien, duel. Oula! Oulala, attends, c'est que Madara blanc. Oh. Ok, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut essayer de tanker en ulti. Il peut éventuellement cut mon Kakuzu. Est-ce qu'il a l'opportunité de. Il n'y a plus de chakra. On va essayer de retirer ses boucliers et ses buffs. Que son Hiruka a posé, justement. Je vais certainement plonger sur la Rin. Oula. Non, ok, c'est juste un shield. Très bien. Oula, il pose plein. Il pose beaucoup de shield. Ok. Ok, il me fait gagner des autos. Je vais faire un full heal. Histoire de remonter les points de vie du Kakuzu. Et c'est le moment de scale. Il nous a donné 3 autos en plus. Assez audacieux de sa part, hein, Naruto. Mais... Très bien. Est-ce qu'on peut éventuellement retirer le Madas du terrain? Ah sinon, ce que j'aurais pu faire, c'est de retirer la Rin. Et ensuite, pour que les dégâts de l'outil soient maximales. Mais c'est peut-être pas extrêmement important. Je pense qu'on va retirer le Madara comme ça. S'il lance pas d'auto à ce tour-ci, en toute logique, il pourra pas se lancer l'outil au prochain tour. C'est peut-être une bonne chose. J'ai l'impression qu'il est quand même plus résistant que moi. La Madara qui a esquivé. Ça, c'était pas prévu, ça. Non, c'était pas prévu, ça. D'accord. Okay. Ok. Oh, l'outil Ruka, ok. Encore plus de scaling. Très bien. Je pense qu'on va continuer. On va essayer de tout donner. Sur la Rin encore. À force de diminuer sa résistance, on n'a pas peut-être à. Allez, en plus, j'ai quelques dégâts.
va être surtout au niveau de la poursuite qu'on va infliger quelques dégâts. Et sur les autos derrière, bien sûr. Et on inspire le chakra. Oula! Oh, le main haut, il s'est pris de ses claques. C'était énervé. Y a pas de possibilité de cut ou quoi. Je pense que je vais essayer de tenter de lancer l'ulti Obito à 100 points de chakra. Que se passe-t-il? On tente. Oula. Qu'est-ce qu'il aurait eu dans mon jeu? On dirait que non. Oula. Et ben, ça, on a perdu Obito. Oh non, j'aurais dû laisser Rin lancer l'ulti. Ah, la panique. La panique est la plus totale. On est vite par HP. Allez, Rin, si tu peux, lance un outil pour nous aider. Ah, la Rin est tombée. On peut lancer un petit ulti de Kakuzu histoire de infliger quelques dégâts. J'ai supprimé des boucliers et buffs qu'il aurait pu installer. Ok, nickel. La prochaine cible, en vrai, est-ce qu'on n'essayerait pas d'attaquer le Madara en réalité? J'ai l'impression que le main foe dérange guère. Tout ce qu'il y a par contre c'est quand même quelque chose d'énervé. Hiruka, hop là, ça connecte, ça connecte. Et le main feu nous parle en hommage à Barbe Blanche, très bien. Donc on n'a plus à s'en occuper. J'ai l'impression qu'on tient le bambou là. Oula! Ça. On perd tout le monde, ouais. Ok. Bon, c'est bon. Naruto résiste. Force à lui. Qui ressuscite tout le monde. Et là, le Madara est le dernier. J'ai envie. Donc, si on retire du terrain, normalement. Nickel. Ok. On n'a pas peur du ninja, honnêtement, c'était chaud. Hein. Merci la résurrection du Kakuzu, mais po 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 po. Oula. Est-ce que ce serait pas potentiellement une autre fin du rêve? Possiblement, possiblement. Je pense qu'on est juste niveau timing, donc on va simplement repli. De toute façon, je pense qu'on n'était pas en capacité de gagner. Avec un adversaire qui a la première attaque. Le petit chichu qui va bien, évidemment. Et la combativité, bien sûr. Donc, autant remplir rapidement, parce que je suis pas certain d'avoir assez de temps. Pour tout compléter, je pense qu'on va être juste pour le compte de Sion. Donc voilà. Oui. À tout de suite. Ok. On est contre Epic. Oula. Oulala. On peut pas essayer de coter quelque chose. Oh mince.
Oh. On n'a pas réussi à contrôler Conan. Ok, on va peut-être se full kill. Oh, ça va pas être sans beau kill à la première attaque en plus, d'accord. Okay. Ok, bon, pour l'instant on lui inflige des dégâts qu'on pourrait qualifier de. De. Mais où sont-ils en réalité? D'assez peu convaincant. Peut-être qu'on a ses carrés. Ok, on peut peut-être tenter un ulti du Madara. Normalement, le main foot ne pourra pas comboter pour nous mettre. De contrôle. Très bien. On y va, on continue. Et bon, pour l'instant, au niveau des dégâts, pas constaté d'amélioration particulière, mais peut-être qu'on va faire quelque chose d'incroyable. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué cette affaire. C'est moi qui vous le dis. Là, il peut contrôler le Madara avec la poursuite du Mazgûl. Peut-être pour refoulement qui va enclencher la poursuite du Dobito. On a obligé un petit peu d'attendre pour regarder et voir qu'est-ce qui se passe exactement. Ok. Ça nous a pas mis l'état de. Comment on appelle ça? De. D'immobilisation. Les maigres dégâts qu'ont réussi à infliger tant bien que mal, les soigne avec la limace de. Via son ulti. C'est de plus en plus complexe. Mais quand nous ne sommes pas en capacité de lancer l'ulti Madara à ce tour-là. Malheureusement, on a perdu peu de monde en ulti pré-tour. De toute façon, c'était de plus en plus compliqué. Plus l'état d'avancement du combat était s'avançait, plus c'était complexe. Très bien. Et bien du coup, je pense que oui, tout à fait. Donc deux victoires sur au compte. On a fait une de plus que la garantie, presque la moyenne, on va dire. On va dire que c'est pas si mal. Hein. On va dire ça. Ouais, je vais faire ça. J'ai activé le son, bien sûr. Et ensuite, hop, c'est parti. On peut foncer à nouveau dans le tournoi. Avec le compte de Sion cette fois-ci. Est-ce qu'on va directo en Chichui ou. Allez, on peut peut-être essayer de par la case Zabuza, éventuellement. Que je ne trouvais plus. J'ai fini par le trouver. Au niveau des poursuites, c'est celle-ci, le dragon requin. Alors la relique sur Zabuza, ça peut paraître intéressant, mais je préfère l'utiliser sur le P1. Sachant que le Mangetsu il peut interrompre, donc c'est potentiellement intéressant. Et on y va. Allez, à tout de suite. Ok, donc contre Epic. On a la première attaque. On peut lancer Zabuza. En vrai, c'est plutôt très très. Pas qu'une cut. Heureusement. Ça n'a pas été tenté. Ok. Et un peu dedans, il rentre dedans. Malheureusement, on mène tout.
le contrôle. Et pour une fois, le Suigetsu dans un combat peut taper autre chose que des clones ou que des choses comme ça. C'est nickel. Ah, ok, c'est bon. Zabuza rentre dans la danse. Évidemment, c'est les autos du plaisir. Ok, donc attention, ulti pré-tour. Et ensuite, on va juste lancer les Nielsu et le Zabuza. Tranquillement. Et on va lancer les Zabuza. Je mettrais pas un petit coup du petit humain haut. Ça devrait du moins être à 100% des barres de vie. Donc là, le Jupiter est en train de scale comme un dingue parce qu'on n'aura pas le temps de le taper, mais il suffit qu'on passe dit successivement ses capacités défensives et que ça finisse par passer. On n'a pas d'inflammation énervive, mais on doit faire suffisamment de dégâts. Voilà, nickel. On finit par l'emporter. Nickel. Parfait. On y retourne. Ushiaki Goku Lee. Ok. A-t-il commencé par essayer de désaxer le Kakashi? Comme ça, il est. Il a plus son outil lors des tours pair. Ça, c'est plutôt très bon pour nous. Okay. L'outil sera conservé. Enfin, la barrière sera conservée au prochain tour. Donc, on peut juste tout simplement attendre pour l'outil Gegetsu. Hop, 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 bien sûr. Et encore une. D'accord. Nickel. Ok, bon, si on tape sur le Kimaro, ça va être. C'est beaucoup plus résistant. Ok, nickel. Au prochain tour, on va juste lancer Vangatsu sur le Naruto pour essayer de le dodge, quoi. Nickel. On n'a pas réussi à voir l'état de marquage. Sur le Kimaro, ça aurait pu avoir une petite différence histoire de c'est déjà un perso tanky, donc bien parfait. Nickel. On a eu au crit, les dégâts augmentés de la variable de Kimaro. Et on a pu s'en sortir. Bon, allez, à tout de suite. Ok, on est contre Machiavélique. Oulala. 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 Ok, d'accord. Oui. Ok, on a empêché le Zetsu de lancer un ulti. C'est peut-être dégâts. Ah bah oui, il a la première attaque. Il lancer. On le gagne tout de suite tant qu'on le peut encore. Ok, on a réussi à cutter de son main E. Nickel. Oula. Je pense qu'il faut que j'essaye de lancer dès à présent lui. Pardon, du main O. Allez, courage. Je vais peut-être le faire. J'espère qu'il n'est pas immobilisé ou que sais-je.
Oui, le Ashura a dû lui appliquer l'état de faiblesse ou quelque chose. Ok. Ok, le petit chichui qui va tomber. On va peut-être pas l'ulti Ashura pour le moment. Et donc effectivement blocage méridien. Oula. Oulala, oulala. Alors si l'Ashura s'arrête. Oulala. D'accord. Ouais, non, je pense qu'on a perdu. Il nous reste assez peu de temps pour compléter le tournoi, donc on va essayer d'abandonner le plus rapidement possible. Allez, on va prendre des tactiques pour mettre le chichu. Nickel. Oula. Itachi. J'ai failli me fourvoyer dans ma composition. Ça aurait été un petit peu moins puissant, bien sûr. Au niveau des reliques, ouais, les reliques sont bonnes. Allez, on y retourne. À tout de suite. Ok, on est contre Epic. D'accord. Bon, c'est l'ulti Jiraga. L'ulti Itachi. À nouveau l'ulti Itachi parce que. J'ai peut-être pas trop savoir quoi faire à ce propos. On va possiblement avoir un problème dans le sens où on pourra pas, on pourra sans doute ne pas viser le chichu adverse. Nous verrons bien, nous verrons bien, nous verrons bien. Ok. Soin, très bien. On a donné une auto au Shifu, bon. Je pourrais lancer, voilà, lance plusieurs autos. Histoire de diminuer la résistance. Un petit peu tout le monde. Allez, on va essayer de cibler le Shisui en espérant qu'il est sorti du camouflage de son collègue. Et qu'elle ça connecte, pas bien. Il a reset le CD mais il est toujours blocage méridien donc normalement ça devrait pas se passer. Pense qu'il n'y a pas moyen de cut ou quoi donc on lance déjà l'ulti pour le prochain tour. Les full vie. Très bien. Pour l'instant ça se passe. Nickel. Et au tour 3, on lance l'ulti Shisui et on l'emporte. Très bien. Parfait. On y retourne. A tout de suite. Mec avec le retour. Il a la première attaque, donc je pense qu'il faut plutôt tout de suite, je pense. Ah, je sais pas parce que là je suis en train de lutter par rapport au temps qu'on peut prendre. Parce qu'en toute logique avec Jubito on prend plus de temps. Donc peut-être qu'avec Shisui j'ai le temps de gagner deux combats, mais en même temps je sais pas trop. C'est pas clair qu'on va faire. Bon allez, à tout de suite.
Les aignons Rio. Ok. Très bien. Nickel. Okay, on va attendre le tour 2 pour commencer à pour finaliser un petit peu les dégâts. Ok, déjà on a réglé la problématique de la Kushina. L'hôpital également, il reste plus que le Minato. Ainsi que le Menter. Affrontons le Minato. Ensuite tu lances un outil Jubito. Petit coup de Konosekai bien sûr. Nickel. Et on va essayer de relancer. Hein. Allez, à tout de suite. Iruna. Okay. Le petit reroll, je pense. Ah, nickel, parfait. On va pouvoir relancer, je pense. Alors, là, on est juste niveau temps. Oh, nickel. 5 victoires sur le compte d'Ocean, 2 sur mon compte. Du coup, 7 sur 10. Plus de la moyenne. C'est nickel. C'est nickel. Eh bien, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt.